Le salam alaikum, Chicha, toujours à peu près à côté du même appareil. En fait, depuis tout à l'heure, je postais des choses sur Facebook, des photos tirées d'un photoblog fait par quelqu'un de ma région. En fait, il a photographié Ouzleguine, du côté d'Erzaramkhran, Nakhvo, etc. Ces photos, elles sont extraordinaires. Oh là là, j'ai adoré. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, à peu près sous la vidéo. Franchement, en fait, puisque j'ai pas trop le temps, j'ai mis son blog de côté comme ça dans une fenêtre et puis je reviens après 1 heure, 2 heures à des choses et tout. Bah, je regarde. Franchement, il m'a replongé en Kabylie. Si vous aimez la Kabylie, si vous aimez la photographie aussi, parce que c'est vraiment de la photo, il a l'œil, le Sid, il a l'œil. ça dit, si, allez, je veux bien, c'est super. Surtout en Kabylie, il a capté gal les trucs, il les a captés. Et moi, je vous invite à aller voir. C'est vrai que la Kabylie, c'est très beau. La nature, c'est très beau. Les vestiges, l'eau, la nature. Et puis les dégâts que font les gens par rapport à la nature et tout. Ils dégradent la nature. De temps en temps, tu trouves des photos comme ça. Etc. etc. Je vais vous mettre le lien. Allez voir. Direction Akvo. Je suis désolé pour les gens sur Facebook, j'ai posté une tonne de photos, mais bon, chacun son kiff. Et le kiff d'Harry ce soir, c'est direction Temurth en photo, avec des belles photos. C'est vrai que ça m'a replongé dans des détails. C'est les détails. Par exemple, il y a certaines photos, tu vas trouver, par exemple, sous un arbre. Sous un olivier, il y a une pierre comme ça plate qui a été installée et tout. Et le gars, il lui met un titre, par exemple, repos. Et c'est vrai que combien de fois on s'est mis sous un arbre, sur une bonne pierre comme ça plate pour ne pas avoir mal. Ou tristeh à l'ombre. On attend, on bat, tu reprends la montée. Le village. Bref, les photos elles sont géniales, je vais vous mettre le lien. Et puis Astral, et puis c'est tout, et puis Saha, Aftorkom, et Vif Temurth.